Parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens en décortiquant le contenu des traités. Vous n'y pensez pas. On ne peut pas parler des traités. Vous n'allez quand même pas citer des articles des traités devant une foule. Les Français sont des veaux, m'avait-on dit. Eh bien non, la bonne nouvelle de ce soir, c'est que les Français ne sont pas des veaux. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que les Français sont un grand peuple, l'un des peuples les plus politiques du monde. Et lorsqu'on explique aux Français avec affection, et même je pourrais le dire avec amour, à ses compatriotes ce qui se passe pour de bon, eh bien les Français réagissent et se redressent. Parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens en expliquant pourquoi la situation est comme elle est, pourquoi quand vous votez à droite ou à gauche, vous avez toujours la même politique, pourquoi cela ne change pas. Et nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons aux Français pourquoi, si ce n'est pas moi qui suis élu le 7 mai, vous aurez de toute façon la même politique, le même programme commun fixé par les grandes orientations de politique économique de la Commission européenne. Mais rassurez-vous, je compte bien être élu le 7 mai prochain. Continuerai à dire la vérité. À refuser toute intimidation. Et à appeler un chat un chat.